Salut à tous. Alors on se retrouve au quatrième domaine. Donc c'est là à la fin qu'on affrontera Cerbère. Méchant chien, super balèze. Je sais pas si on le verra dans cette vidéo là. Ça dépendra de la vitesse à laquelle je fais les domaines et si j'ai une fontaine peut-être juste avant Cerbère. Peut-être que je m'arrêterai là. Parce que à mon avis le combat contre Cerbère risque d'être un peu chiant. Voilà. Allez, bonne vidéo à tous.
Ce qui est sympa quand même la lance. 5% de chance, 201% de dégâts, 5% de dex, 123 de capacité offensive, 15% de vitesse d'attaque. Ah, quelque chose près, elle serait presque aussi bonne que ma lance quand même. Niveau 38 nécessaire, niveau 44, ouais, bah après, du coup, ça y joue. Hein. Niveau 38, je suis niveau 61. Et l'arc, niveau 38 aussi. Hein. Les pièces qui sont un petit peu dépassées. Niveau 12, niveau 12, niveau 28, niveau 25, niveau 25, niveau 10. La classe. Du coup, c'est mon torse. Le plus récent. Mon casque, 45. Casque et torse qui sont au-dessus de 40, c'est tout. Bouclier, 43. C'est pas fameux.
Il n'y a rien à craindre ici. Cette grande tour est également envahie par les démons. Disons que si je les garde, ça sera encore un truc qui va prendre de la place. Un mortel vivant. Je jure que je n'ai rien vendu à ces démons. Ah tiens, c'est un casque, c'est le même que j'ai sur moi, mais en amélioré. Enfin, amélioré, faut voir. Je perds 4 de force. Je gagne 4 d'armure. En bonus, par contre, en bonus d'armure. Mais en vraie armure, je gagne quelque chose comme 126. 126 armures, ce qui est quand même tout à fait correct, juste pour perdre 4 de force en fait. Et en gagnant 4 d'armure côté 130. Plus 130 armures, moins 4 force. C'est quand même correct, je pense. On va le prendre, allez. Ouais, la force ne m'empêche pas d'équiper, de ne plus pouvoir équiper d'autres objets, donc nickel. La lance, on la vend. L'anneau, c'est de la foudre, ce que je vais cru comprendre. Il n'y a pas de manque ici. Trop de trucs, trop de trucs. Ça, c'est un truc qui fait 25% de dégâts aux éléments. Résistance étourdissement au sommeil, bla bla bla. Ouais, poubelle. Je gagne un peu de place. Oh tiens, ça c'est fort, je le transforme. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est un pourcentage peu sur tout, ça. C'est pas mal. Niveau 18 en plus, c'est quand même tout à fait correct. Bon, après, c'est du légendaire. Légendaire. Ah, mais celle-ci, je l'avais trouvé stylée quand même. 33% de dégâts était quand même super pas mal. 33% de vitesse d'attaque aussi. 36 dex, capacité offensive. Elle était OP, hein, celle-ci. Faut juste que j'arrange un peu le... Mince. Ah, de l'aide. Tac. Voilà, au moins pour reprendre les chaussures. Revenons aux affaires. Vendre aux ombres. Je vais voir si je peux pas rendre des quêtes à côté. Et même peut-être aussi revenir avant, au cas où. Les cendres du... Vous êtes impressionnants. Calicrates est-elle en ce qui me concerne? Alors je vais encore les mettre dans... Voilà, ce petit truc là. Qu'on va... Alors on revient encore aux sticks. Rien du tout. Bon. Et dans les quêtes. Sticks, le meneur. Renseignez-vous sur les pouvoirs de la rame de charme. Sur internet. Et après, vu que c'est comme les dernières quêtes, j'imagine que c'est après Cerber. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais arrêter juste avant Cerber et j'enchaînerai une autre vidéo comme ça. Ah,
Alors, c'est de la force que ça nécessite. Protection d'armure, résistance froid, électricité, dex, vitesse de déplacement, de hardeur et à colosse. Et c'est un truc de 7 en plus. Ça par contre, il y a des chances que je le vende. C'est vrai que je garde un truc que ce soit vraiment que pour des spé comme ça. Pour tout une spé que je risque peut-être de ne jamais jouer. Et voilà notre pote Cerber. Oh, on peut faire un test. Hein. À mon avis, ça passera pas. Si je meurs une fois, de toute façon, vous aurez le combat à la prochaine vidéo. Donc, suspense. Vais-je le tuer? Suspense de ouf. Hein. Franchement. Alors là, je m'attendais pas du tout. Je connais pas ses attaques en plus, il faudrait que je retienne. Du coup, quand il se met sur ses pattes arrière, c'est qu'il active les flammes sur les bords. Il est chiant. Il est très très chiant. Bon bah écoutez les gars, je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine pour ma sweep sur Cerber. Voilà, allez à plus.